Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons crocheter notre troisième carré. Donc, vous allez voir, il est vraiment très simple. Il se constitue de 33 rangs de mailles serrées. C'est un point qui est assez élastique. Il ressemble un peu aux côtes de deux qu'on peut faire au tricot. Et donc, je vais vous expliquer dans le détail comment on le réalise. Donc, pour réaliser ce carré, j'utilise toujours ma laine transhumance. 100% pure laine vierge des bergers cathares. Voilà, et j'aurai besoin de mon crochet numéro 5, d'une paire de ciseaux et d'un petit marqueur pour arrêter mon travail. Je vous dis à tout de suite pour le premier rang. Nous allons commencer par faire un nœud coulant autour de notre crochet. Et crocheter 32 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc un point important que je vous ai pas dit. Surtout, ne serrez pas trop vos mailles. Il faut qu'elles soient quand même assez lâches. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32. On compte beaucoup au crochet, hein. Donc, ensuite, donc l'objectif de ce carré, c'est d'enchaîner des rangs successifs de mailles serrées. Pour le premier rang, il va être différent. Voilà, moi, ce que j'aime bien, moi, pour avoir une belle bordure, donc je vais vous montrer sur le carré. Ici, une belle bordure. Crochette le premier rang en prenant les brins qui sont derrière la maille serrée. Donc là c'est le devant, on voit les petits vents, des petits V correspondant à chacune des mailles. Ben moi je vais prendre les brins qui sont derrière les petites boucles là que vous voyez au centre des V. Donc je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Donc on ne crochète pas la première maille qui est ici. On va sur le deuxième petit, la deuxième petite boucle que vous rencontrez. Et donc là, je fais ma maille serrée. Un jeté, un autre jeté, et je passe dans les deux boucles. Une maille serrée. La prochaine, je la prends ici. Vous voyez? Alors, le premier rang est vraiment pas forcément évident à faire. Faut y aller doucement. Déjà, si on a fait à la base ces mailles en l'air serrées, on a du mal à accrocher ces petites boucles. Donc, je vais en faire quelques-unes et je vais vous montrer le résultat que ça donne. Voilà, et on prend chacune des petites boucles derrière la maille. Voilà, ici. Voilà, j'en ai fait quelques-unes, hein. Et on voit bien, sur le tout début du projet, on a une belle bordure de mailles. C'est très joli. Voilà. Et donc, je continue jusqu'au bout de mon rang. Donc, j'accompagne un peu la boucle en la poussant avec mon ongle pour la faire monter sur le crochet. Pour ça que le premier rang se fait vraiment très très lentement. Et donc, au total, nous aurons crocheté 31 mailles serrées, vu que la première, nous ne l'avons pas tricotée.
Voilà. Donc je vous laisse finir ce rang tranquillement, prenez votre temps. Il faut vraiment que le premier rang soit régulier, très bien crocheté, pour avoir une très belle bordure. Et je vous attends pour le prochain rang. Voilà, je viens de terminer le rang. Donc vous allez voir, ça tournicote un tout petit peu. Mais c'est pas bien grave, hein. Au fur et à mesure où on va monter notre travail, cet effet-là va disparaître. Donc voilà, j'ai mes 31 mailles serrées. Vous pouvez constater que la bordure est vraiment très jolie, très nette. Donc voilà, donc nous allons faire notre rang numéro 2. Donc je ne fais pas de mailles en l'air pour tourner. C'est de la même manière, c'est pour avoir sur le côté une belle bordure. Donc, je tourne mon travail dans ce sens. J'étire un petit peu ma maille pour pas que ce soit trop serré. Et je viens piquer dans le brin arrière de ma maille, ici. Vous voyez, ça forme un petit V. Je viens prendre ce brin-là. Voilà. Et je fais ma maille serrée. La deuxième, pareil. Vous voyez le V, je prends le brin de derrière. Le brin de derrière toujours. Le brin de derrière. Voilà. Et nous allons crocheter nos mailles serrées sur nos 31 mailles en prenant toujours. Vous avez le petit V correspondant à votre maille, et bien on prend le brin du fond, ici. Voilà, donc je vais un petit peu plus vite hein, pour avancer avec vous. Et donc, si vous avez compté dès le départ, moi je ne l'ai pas fait parce que je vous parlais, et bien vous allez crocheter 31 mailles. C'est un réflexe un peu de. Enfin, un réflexe, non. C'est voilà, compter tout le temps. C'est hyper important en fait. On s'assure au fur et à mesure de notre travail qu'on n'a pas oublié de mailles. Des fois, ça peut être un peu pénible pour l'entourage. Parce que du coup, quand on est toujours en train de compter dans notre tête, bon, on n'est pas trop concentré sur ce qui se passe autour de nous. Mais c'est ça, les tricoteuses et les crocheteuses, elles comptent tout le temps. Voilà, je prends bien le brin de derrière. Vous voyez, ça fait des petites bosses là. C'est le brin de devant qui est mis en avant. Je rencontre encore un petit brin de paille. C'est trop rigolo. Moi, je les laisse. Au fur et à mesure, je rencontre, je les laisse. Sauf vraiment s'ils sont trop gros, là, je les retire. Mais ça fait un petit style. C'est vraiment nature, quoi. Fil 100% naturel avec la paille. Il n'y a pas l'odeur des moutons. Et voilà, nous sommes au bout. Donc pour le bout, c'est peut-être pas forcément évident, mais si. Bon. Toujours le V, on prend le brin de derrière. Et voilà, nous venons de terminer notre deuxième rang. Pour le troisième rang et les 30 autres à suivre, donc j'étire un petit peu ma maille, je tourne mon travail pour commencer le rang d'après. Ici, j'ai ma première maille, et bien je pique dans le brin de derrière. Vous aurez tout le temps à faire ça sur 33 rangs. Une maille serrée, 2, je pique derrière et je fais ma maille serrée. Sur les 31 mailles du rang
est sur 33 rangs. Voilà. Donc, je vais vous laisser monter votre carré tranquillement. On se retrouve à la fin. Mais juste avant, je vais vous expliquer comment compter les rangs pour être sûr que vous ayez fait le bon nombre de rangs pour finir votre carré. Des fois, on est un peu perdu, sauf si on le marque au fur et à mesure sur un petit bout de papier. Vous pouvez marquer, voilà, j'ai fait mon premier rang, mon deuxième, mon troisième. Puis à 33, vous vous arrêtez. Moi, je vais vous donner, si vous êtes perdu, je vais vous expliquer comment on fait pour compter nos rangs. Donc voilà, je coupe ici la vidéo et j'arrive tout de suite pour vous expliquer ça. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc je prends mon crochet. Donc à chaque fois que vous voyez ce motif-là, ça compte pour deux rangs. Un rang, là on voit les mailles qui ressortent, donc c'est le brin avant de la maille qui ressort parce qu'on a pris le brin de derrière, et de l'autre côté on a un autre rang. Donc à chaque fois qu'il y a ce relief là, ces petites montagnes, ça compte pour deux rangs. Et ici vous voyez, on a seulement un rang. Donc là on a un rang parce qu'il n'y a pas la petite montagne et puis la descente de l'autre côté. Là on a un autre rang et là un autre. Donc un rang, deux rangs, 3 rangs, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, etc., etc. Donc vous allez monter votre carré en crochetant vos rangs de mailles serrées, en prenant le brin de derrière, et on se retrouve à la fin. Me revoilà après avoir effectué tous mes rangs. Donc là, il y a une chose assez intéressante, c'est que si vous utilisez comme moi des laines artisanales, des fois l'épaisseur de la laine peut varier. Et donc, vous voyez, pour ce carré, finalement, pour avoir la taille qu'il me faut, c'est-à-dire un carré de 19 cm environ, voilà, sur la hauteur, j'ai environ mes 19 cm, mais je n'ai pas eu besoin de faire les 33 rangs comme je vous avais annoncé. Donc j'ai eu besoin d'en faire que 32. Donc c'est comme ça, c'est pas bien gênant. Il suffit juste de s'adapter et de bien suivre son travail, de vérifier au fur et à mesure si on a le bon nombre de rangs, si on a les bons centimètres qui vont bien. Donc voilà, vous voyez le rendu est vraiment très joli, c'est élastique. J'ai 32 rangs et non 33 comme je viens de vous expliquer. Donc c'est un point qui consomme pas mal de laine, donc un petit peu plus qu'une moitié de pelote. Et donc je vais arrêter mon travail, comme à son habitude, hein. Je coupe et je mets en attente en mettant un petit marqueur dans ma dernière boucle. Et voilà notre carré terminé et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le carré numéro 4. À très bientôt !